quelle merveille ce boulevard Jean Jaurès. Regardez, avec ce soleil, quand vous venez ici avec vos petits-enfants, c'est vraiment magnifique. Selon moi, Nîmes est une ville très dynamique, où il est agréable de vivre en tant qu'étudiant. Le site Hoche a été refait, et donc c'est un endroit où il est aussi agréable de travailler, vu que les salles sont claires, lumineuses, et ça nous donne un bon cadre de travail. L'école Henri Vallon, pour nous, c'est l'école la plus importante en termes d'effectifs, qui peut accueillir plus de 500 élèves. Donc pour nous, c'est très très important. Quand on voit ces murs, cette toiture végétalisée, tout ce grand espace qu'on peut avoir aujourd'hui, chaque classe est dotée de tableaux interactifs. Donc je pense que chaque habitant, chaque parent est très fier d'avoir cette école Henri Vallon dans notre quartier. Ah, mais le trambus, c'est un moyen de transport assez exceptionnel sur la ville de Nîmes. Oui, je le prends régulièrement, le trambus, c'est vrai. Mais c'est une merveille, il est magnifique. On va où on veut. Super outil culturel qui manquait à Nîmes. Et bon, on a la chance aujourd'hui d'avoir une des plus belles SMAC de France. Et donc c'est très bien pour les musiciens avec les répétitions, tous les studios de répétition. Il y a aussi tout ce qui est filage d'artistes que je trouve très intéressant. Paloma a réussi à combler un vide par rapport à entre Montpellier et Marseille. Aujourd'hui, on arrive à avoir des gros artistes et je trouve ça plutôt très bien pour la ville. J'ai fait mes études sur Montpellier à la base et je connaissais pas trop Nîmes à l'époque. Et on m'a proposé un travail, donc je suis venu me déplacer. C'est vrai que j'ai trouvé que la ville avait un côté un peu plus traditionnel et un côté très dynamique aussi. L'été notamment avec la feria, les jeudis de Nîmes maintenant, les concerts aux arènes l'été, ce sont des événements qui attirent une clientèle très internationale. Je suis arrivé pour la première fois à Nîmes il y a 16 ans, à peu près à cette période, pour visiter le coin parce que les départements économiques souhaitaient que j'implante mon entreprise ici. Et quelque chose qui m'avait choqué sur la ville, c'était vraiment la décrépitude, l'état de décrépitude, de vieillesse, la saleté qu'il y avait dans cette ville. Et aujourd'hui, 16 ans après, ça a complètement changé. Nîmes est devenue une belle ville. Moi, je suis agréablement surpris, ça bouge de plus en plus. Nous, je sais qu'avec mes potes, quand on sort, il y a le service du taxi nocturne qu'on prend souvent puisque c'est vachement intéressant au niveau prix. C'est moins 60%. Puis nous, ça nous évite de prendre la voiture, de rouler quand on a bu, etc. Et c'est vrai que pour une course qui revient à 10 euros, ça revient pour nous à peine à 4 euros. Donc à 2 ou 3, ça revient à rien du tout. Et puis ça évite les dangers de l'alcool, etc. Donc moi, je suis vachement content de ce service-là. En priorité, je peux vous parler d'abord de Jean Jaurès, qui est vraiment une réussite, ça c'est très clair. Et ensuite, Feuchère et Esplanade, ben ça a changé tout le paysage. Et quand on arrive de la gare, c'est vraiment magnifique. Cette nouvelle piste d'athlétisme a le grand avantage, c'est que c'est une très belle piste. Elle est assez importante pour recevoir des coureurs, organiser des meetings et des concours d'athlétisme. Et c'est très très appréciable pour le milieu sportif. Commerçant rue de la SPIC, en termes d'activité, niveau sécurité et tout, se passe plutôt bien. On a eu notre demande d'inscription en crèche qui a été satisfaite. C'est vrai que c'est important d'avoir le mode de garde qu'on souhaite pour ses enfants. En fait, c'est un avantage considérable. Ah ben moi, je ne pouvais pas avoir un autre endroit que le centre-ville. Et stratégiquement, c'est vrai que la ville est en train de développer son intérieur et il fallait à tout prix répondre à ces besoins-là, quoi, avec un produit de qualité avant toute chose et que les Nîmois puissent le retrouver, quoi. Là, il y a un nouveau skatepark qui a été mis en place et je remarque qu'ils viennent de plus en plus et ils sont de plus en plus heureux d'y venir parce que c'est vraiment l'un des plus beaux dans le sud de la France. Le nombre d'agents qu'il y avait en 2001 et maintenant, bon ben, ça a sensiblement, sensiblement développé. Et puis bon ben, on les voit partout. Moi, je les vois, voilà, je les vois partout, je les vois dans les quartiers. Bon, que ce soit en vélo, on les voit régulièrement.
Concernant la sécurité, elle ne se limite pas, pour moi, uniquement qu'à la protection des biens et des personnes. Il y a la protection également, dans ce cadre-là, contre les inondations. Et là-dessus, il y a un bilan quand même qui est très favorable.